continue à couler chaque jour dans le pays, sans cap couler dans presque tout département yo. L'Artibonite, c'est un département côté gagné un pile monde qui mouri, 29 monde exécuté pendant mois juillet, donc seulement un mois dans l'Artibonite là, d'après un rapport organisation cap défendre droit monde yo, fondation J'éclairé mettez dehors. Parmi les victimes, yo, selon Marie-Hélène Gilles, qui a une dizaine yo kidnappé, plusieurs femmes yo violées, et ces bandits qui fait partie gang Grand Griffe qui est touillé, Mounsayo, d'après rapport FJKL. Dirigeant, organisation Cap Défendre Droit Mounan, Marie-Hélène Gilles, critiqué autorité yo qui, d'après l'IPAJAM, prend aucune disposition pour faire droit citoyens qui vivent dans plusieurs localités dans le département de la Tibonite, respecté. En côté, Marie-Hélène Gilles, qui était parlé dans le micro, régional de Rémi. Si des gangs corporatifs en race avec base grand cri révoltant, yo choquant, cri de détresse, population, appel au secours, yo pas brindin équipe en place là. Gouvernement Ariel Henry, agent de l'audio, yo abandonné population qui li même aux abois. Bilan li lou. Plus que 29 moun jwenn nan mo yo nan parti bonit là, nan moins que yon mois. Une dizaine l'autre li vè kidnappé. Plusieurs femmes violées, il y a plus qu'une douzaine cailles qui voulaient. FJK elle tentait retracer ça qui a passé dans zone bas à Tibonite non, mais bilan n'est pas capable définitif. 14 juillet 2023, base Grand Griff là, il a attaqué Lyonkou, il a touillé, il a arraché, il a boulé mon BNH absent. Il y a 8 personnes qui mourent là voilà. 23 juillet, j'ai qui ont annoncé ça, base Grand Griff débarqué à 5h du matin. Yo boule kay moun ti etri yo bid yo boule moun yo ve moun ki tap refe moun yo nan dormi yo viole plusieurs femmes. 28 juillet et nan zone Niro qui c'est 3e section ti rivière la Tibonite tout pipiti gen 10 moun ki mouri et yo boule kay yo boule cadavre moun yo et total environ 6 kay rive et passé en bas. Ba Tibonite dan li tourne un véritable champ de bataille côté gang yo ap attaquer moun yo lè ou vle, jan ou vle et pour et autorité ou pa jam vini yo au secours. Dimanche 30 juillet dans la Croix Péris, gang Kokorat San Ras attaquer yon patrouille la police, yon policier blessé. Sa pi di a, moun nan zone nan particulièrement commerçant yo, yo rapporté nou, lò ke yo vle traverser marchandise, sortir en coup pour aller de l'autre côté, il faut qu'ils payent l'équipe policière qui occupe sa blende entre 500 à 1000 dollars américains. FJKL a rappelé pour tout le monde, pour toute autorité, que protection de l'ordre public, c'est responsabilité de l'État. Peuple haïtien, il mérite pour vivre dans la paix, dans la sécurité. Il est le temps. Pour autorité ou prendre responsabilité ou pour yo suspendre quitter population pour contre livrer à gang ou gang ou attaquer ou l'œil ou vle alors que yo pas jamais prendre quelle politique de sécurité ni pour sécuriser la vie moun ni pour sécuriser bien moun en dans pays. 20 fois sur le métier remettez votre ouvrage n'a toujours fait nous même comme militants droit moun comme organisme de défense des droits humains tes yeux axoré autorité faut nous faire travail c'est devoir nous attirer attention sur des dérives faire des recommandations faut que établi faut que montrer yo gen une volonté politique pour yo capable sécuriser pays à qui livrer en bas main gang yo pas capable faut yo tirer la révérence non seulement li vinn plus puissant li montre que li gen plus pouvoir et la fait terrain et la construit des alliés. T'as des situations, moun kap viv nan pays d'Haïti, son situation qui stressant, ou livré à ou même, ou pa konn ki pote pou frappe. Pour jeune service la police, c'est payé pour payer. Donc, population li livré à li même. Marie-Hélène Gilles, qui tap décrit nous situation, moun ba la Tibonite. Continue à couler chaque jour nan pays, sans kap couler nan presque tout département yo, l'Artibonite, c'est un département côté gagné un pile monde qui mouri, 29 monde exécuté pendant mois juillet, donc seulement un mois dans l'Artibonite là, d'après un rapport organisation Cap Défendre Droit Monde yo, fondation J'éclairé mettez dehors.
Parmi les victimes, selon Marie-Hélène Gilles, qui a une dizaine de kidnappés, plusieurs femmes ont violé, et ces bandits qui font partie gang Grand Griffe qui est touillé, Mounsayo, d'après rapport FJKL. Dirigeant, organisation Cap Défendre Droit Mounan, Marie-Hélène Gilles, critiqué autorité qui, d'après l'IPAJAM, prend aucune disposition pour faire droit citoyens qui vivent dans plusieurs localités dans le département de la Tibonite, respecté. En écoutant Marie-Hélène Gilles qui était parlé dans le micro régional de Rémi. Si des gangs corporatifs sont race avec base grand qui révoltent, ils sont quand cri de détresse, population appel au secours, ils pas brindent équipe en place là. Gouvernement Ariel Henry, agent de l'audio, ils ont abandonné population qui est même aux abois. Bilan Lilo. Plus que 29 moun jwenn lan mò yo nan pati bonit la nan mwes ke yon mwa. Yon dizen lot vive kidnapé. Plusieurs fòm viole. Yon plus kon douzen kay ki boule. FJKL tante retrase sa kap pase nan zon ba Atibonit lan, men bilan li pa kapab definitif. 14 juye 2023, base Grand Grif la, li atake yon kou. Yon touye, yon rache, yon boule moun. BNH absent. Il y a 8 personnes qui mourent là ou là. 23 juillet, j'ai qui ont annoncé ça. Base Grand Griffe débarqué à 5 heures du matin. Yo boule kay moun ti, yo bid, yo boule moun, yo veye moun ki tap, veye moun yo nan dormi, yo viole plusieurs femmes. 28 juillet, et nan zon Niro, qui c'est 3e section, ti rivière la Tibonite. Pou pipi ti gen 10 moun ki mouri et yo boule kay, yo boule cadavre moun yo et total environ 6 kay rive et passé en bas. Ba Tibonite dan li tourne un véritable champ de bataille côté gang yo ap attaquer moun yo lè ou vle, jan ou vle et pour et autorité ou pa jam vini yo au secours. Dimanche 30 juillet, dans la Croix Péris, gang Kokorat sans race attaquer yon patrouille la police, yon policier blessé. Ça qui dit ya moun nan zon nan particulièrement commerçant yo rapporté nous lors que yo veut traverser marchandise sorti li en coup pour aller l'autre côté faut que yo paye équipe policier qui occupe sa blende yo entre 500 à 1000 dollars américains. FJKL a rappelé pour tout le monde, pour toute autorité yo, que protection l'ordre public c'est responsabilité l'État. Peuple haïtien li mérite pour vivre dans la paix, dans la sécurité. Li le li temps pour autorité yo prendre responsabilité yo pour yo suspendre kite population pour kontli livrer à gang yo. Gang yo attaque yo lè ou vle alors que yo pa jam pran ken politique de sécurité ni pour sécuriser la vie moun ni pour sécuriser bien moun an dan peyi a. 20 fois sur le métier remettez votre ouvrage. N'ap toujou fèl. Nous même comme militants droit moun, comme organisme de défense des droits humains, tes yeux ak zore autorité. Faut nous faire travail, c'est devoir nous attirer attention sur les dérives, faire des recommandations, faut que tabli, faut que montrer yo gen une volonté politique pour yo capable sécuriser pays a qui livré en bas main gang. Ni yo pas capable, faut yo tirer la révérence. Non seulement li vinn pi puissant, li montre que li gen plus pouvoir et la fait terrain et la construit des alliés. Ta de di situation moun k ap viv nan peyi d'Haïti son situation ki stressant ou livré à ou même ou pa konn ki pote pour frapper. Pour jeune service la police, c'est payé pour payer. Donc population li livré à lui-même. Marie-Hélène Gilles qui t'a décrit nous situation mon bas la Tibonite.